On est à Samarcande et c'est très tranquille, très silencieux parce qu'aujourd'hui il y a le président qui est là, ils ont fermé la route et c'est juste trop bien. Bon, bah pendant que Pocho trouve un spot camping là-bas, moi je me fais un nouveau poteau là. J'ai fait les quelques derniers kilomètres avec un passager, je vous laisse constater. Retour au Kyrgyzstan depuis hier. Là, on va en direction de l'Axopoul, on a pris une route un peu itinéraire qui traverse le pays. Et là, on est plein de glacés. On est en pleine montagne, il y a étonnamment quand même pas mal d'espèces de moucheurs ou moustiques très voraces, regardez ce qu'ils me font. C'est toujours moi qui prends cher. Moi, tu qui prends jamais rien. Et la vie est trop injuste, vraiment. Bon, bah, je me suis fait piquer par le moustique. Je sais pas si ça s'apprécie. Ici, et là, c'est tout gros. On est au milieu de la route, on s'est fait arrêter par la police. Chaque fois qu'ils voient des touristes, bah, ils essayent de tirer ce qu'ils peuvent. Donc, il y a Marvin qui allait voir. Alors, je me suis fait arrêter par la police du Kyrgyzstan pour la troisième fois déjà. Soi-disant parce que j'allais trop vite, alors que tout le monde roule comme des fous et beaucoup plus vite. Ils voulaient nous faire payer une amende 10 fois plus élevée que la normale. Finalement, j'ai refusé, ils m'ont laissé partir. Et donc, on n'a toujours pas participé à la corruption de la police kyrgyze. Nous voilà pour les World Nomads Games. Comme vous pouvez le voir derrière, il y a plein de yurts. Et on est rentré en fait dans une de ces yurts sans trop savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et il y avait un buffet gigantesque qu'on s'est un peu servi. Et on a découvert le fameux lait de jument fermenté kirghiz qui s'appelle le jument, quelque chose comme ça. Au Kyrgyzstan, on a découvert les kourouts. C'est des petites boules, comme ça par exemple. Le fromage fermenté. Et les enfants, ils mangent ça comme des friandises, mais nous, on n'aime pas. Vous avez vu mes chaussettes sur la fenêtre là? Parce qu'elles pleuvent. Et 2 jours après, quand on est reparti, elles n'étaient plus là. Du coup, j'étais triste, désespéré. Et qu'est-ce que je trouve dans la poubelle? Mes chaussettes!